Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo sur Beach Brave Soul. Ça va être sur l'éveil de Susumu Bachi. Et aussi, voilà, ça va être du temps de chargement, bah pour l'instant je vais parler. Aussi j'ai fait le tri Vizard qui vient juste de sortir. Et j'ai fait une multi et j'ai eu Mashiro. Trop content. En une multi, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais. Et aussi avant-hier, j'ai fait la loterie Saint-Valentin, j'ai fait une multi, j'ai reçu à Saint-Valentin. Trop content. J'ai augmenté Rukia, son soul tree, je l'ai augmenté jusqu'à 70%. Et celui de Mashiro 43%. Parce que en fait, je savais pas que j'allais avoir Mashiro. Alors j'ai tout augmenté sur Rukia. Pour l'instant Rukia niveau 60 et ma Mashiro niveau 40. Elle est puissante, je trouve, Mashiro, et elle est très rapide. Elle est même, je dirais, elle est un peu plus rapide que Siphone, pour moi. Et aussi, je sais pas encore comment la jouer, en fait, Mashiro. Sinon, dites-le moi en commentaire. Et dites-moi en commentaire aussi si vous avez invoqué sur la loterie Vizard. Moi, sinon, moi, je voulais soit Rose ou soit Mashiro. Et en dernier, Love. Parce que Rose, je trouve qu'il est hyper stylé avec sa guitare. J'ai essayé les trois persos. Après, je trouve que les trois persos sont forts. J'ai regardé après sur le site des stats. Sur les stats, et j'ai vu que Mashiro, elle était quatrième, je crois, meilleure dans les types bleus. Et Rose, troisième meilleur ou quatrième, je ne rappelle plus. Et Love, ça je m'en rappelle. Je crois. Attendez. Ah, je sais plus. Love, je sais plus. Oh là là, ça prend du temps. Putain. Lol. Là je suis en train d'économiser mais je suis en train de farmer les orbes. Là je suis en train de farmer les quêtes pour les orbes et là j'en ai 311 pour la brave sélection de Siphone Tag Team. Je vais pas faire la loterie de Affinity Might parce que en fait je veux pas trop Ichigo Vast Lordé ni les Katen Kokutsu ni Gin. Il m'intéresse pas trop. Je sais qu'Ichigo Vast Lordé est fort, mais moi je l'ai eu plein de fois et je trouve qu'il est pas très puissant. Et en plus, je l'aime pas trop. Bon, voilà, enfin. J'hésitais en fait à éveiller soit Kyoraku Sabrami ou soit Susumu Bachi. J'ai choisi Susumu Bachi parce qu'elle est trop mignonne. Sur ce compte là, vous voyez, là j'ai aucune orbe. Je vais compléter un orbe avec 5 orbes, ça va pas m'aider du tout. Je vais récupérer les cadeaux. Ouais, 15 orbes, c'est bien. Bon, j'ai 25 orbes. On va éveiller Susumu Bachi. Ah, j'adore comment elle parle, elle est trop mignonne. Bon, on va l'éveiller. Allez, 3, 2, 1, go. Susumu Bachi. Yes. Maintenant, je vais essayer d'améliorer ses limites.
Ouais, je vais farm aussi les Red Siphon. Je crois que c'est les Red Siphon qui la font augmenter son Soul Tree. Je vais vers les 4 étoiles que j'aime pas. Ah, je sais pas, mais le wifi aujourd'hui il est pas très fort. Bon, je l'ai mis au maximum pour moi. Bon, la vidéo est finie et